Français qui vivent en Allemagne, soit comme étudiants, soit déjà en engagement professionnel. Et l'idée, c'était de les rassembler pour former un orchestre, quoi, d'essayer de faire un groupe de musiciens classiques en Allemagne, avec beaucoup de Français, pas que des Français bien sûr, mais avec beaucoup de Français, présenter des programmes français, des programmes classiques, des programmes romantiques. Festival de Potsdam, il existe depuis une vingtaine d'années, je crois, 20 ou 25 ans. Et cette année, le thème, c'était « Bonjour la France ». Alors à ce moment-là, il y a eu un contact avec le dramaturge. Il était intéressé de l'orchestre, du nom de l'orchestre, du programme que j'avais présenté ou proposé. Il y aura deux ouvertures de Jacques Offenbach, « La belle Hélène » et « Orphée aux enfers ». Concerto de piano de Frédéric Chopin avec Lise de La Salle, la pianiste française magnifique. C'est très facile de travailler avec elle parce qu'elle est super flexible, elle sait ce qu'elle voudrait, elle est très facile à accompagner, elle mène l'orchestre et on la suit, c'est très agréable de travailler avec elle. C'était la première fois que nous travaillions ensemble avec Philippe. Je pense pas la dernière d'ailleurs. Et ça s'est très bien passé. Il y a eu un très bon feeling entre nous. Je pense que ce qui est très important pour un chef quand il travaille avec un soliste, c'est d'être ouvert aux idées musicales du soliste et en même temps avoir sa propre conception de l'œuvre. Et j'ai trouvé que c'était
un mélange savamment réussi avec Philippe, parce qu'on a pu échanger sur des idées et en même temps on avait le même sentiment général à propos de ce concerto de Chopin, donc c'est un grand plaisir. Ce qu'on fait aussi souvent, c'est cette nuit française, un petit peu attachée à ce qu'on fait à Potsdam, justement sorte d'événement pour le public. C'est très bien pour des concerts en plein air, parce que c'est comme une fête un petit peu pour le public. Il y aura des extraits de Carmen, et à la fin, il y aura bien sûr le boléro, et un grand feu d'artifice avec une valse de Faust. Très bien passé. On a pris beaucoup de plaisir à jouer ensemble. Ambiance parfaite, un très beau concert et il y a eu beaucoup une très grande affinité musicale et aussi humaine au cours de ce beau moment. L'orchestre a plusieurs projets, par exemple des concerts du Nouvel An avec de la musique d'Offenbach de nouveau, avec Strauss ou avec Bizet aussi. L'année prochaine, nous jouerons pour la première fois dans la Philharmonie de Cologne. Il y aura un concert avec Lydia Bajc, c'est une violoniste russe-autrichienne. Il y a pas mal d'organisateurs qui ont déjà demandé si on pouvait faire des concerts avec eux.